Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album pour les témoins. Donc vous vous rappelez, j'ai fait la couverture. Et donc j'avais mis sous presse pour que les intérieurs de couverture tiennent bien. Donc voilà, maintenant c'est fait. Hein. Il n'y a plus de danger que ça bouge. Donc là, on va faire les feuilles intérieures. Alors, pour faire les feuilles intérieures, je vais d'abord utiliser de la feuille pollen, donc de la 210 g. Et je vais d'abord mesurer la largeur dont je vais avoir besoin. Donc pour le savoir, je vais mesurer ici. Alors, je vais prendre mon crayon. Voilà. Donc, je pose ma couverture plus loin, j'ai pas besoin pour l'instant. Donc je vais avoir besoin d'une largeur de 19,5. Voilà. Donc je vais reporter 19,5 plus loin. Directement, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Voilà. Ça, j'ai la largeur de ma page. Impeccable. Alors maintenant, il va falloir que je mesure la longueur de ma page que je vais avoir besoin ici, en sachant qu'il va falloir que je la fais quand même un pas un ras de la couverture, que je la fais un peu plus courte, on va dire 5 mm plus court. Donc, on va faire ici. C'est juste pour que ce soit plus joli. Voilà, ça me fait 14,5. Voilà, au moins il n'y a pas de difficulté à calculer. Donc ça, ce sera la base des pages. Hein. Si je fais en faire une deuxième là, oui. Je vais faire un trait, c'est plus facile. Donc ça, la base comme ça, il va vous en falloir 8. Je coupe la deuxième. Voilà. Donc après, elles seront collées l'une sur l'autre. Voilà. Et elles viendront se fixer ici, de chaque côté de la charnière. Vous voyez, comme ceci. Comme pour l'album que j'avais fait avant. Donc voilà. Donc là, je vais couper mes 8 pages, comme ça elles seront faites. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, mes 8 feuilles sont découpées. Donc ce que je vais faire avant de décorer chaque fois une page, je vais faire une petite marque à 1 cm du bord. Donc voilà, qu'on pourra gommer après. Alors cette marque, je la fais parce que quand on va coller sur la charnière, voilà, ici par exemple, je vais vous montrer.
On va coller à 1 cm de la charnière. On ne va pas coller tout en bas. Je vous montre. On va coller ici. Voilà. Puisque la charnière fait 2 cm, nous, on va coller à 1 cm de la bordure de la charnière. Voilà. Pour que ce soit plus souple. Et donc, là, au bord, on ne va pas décorer. Parce que sinon, ça va faire trop d'épaisseur et ça va empêcher de bien bouger les pages. Donc on se fait juste un petit repère, voilà, pour pas qu'on sache qu'on n'a pas à décorer à cet endroit-là. Donc tout ce qui nous reste, 13,5, donc c'est très bien pour mettre des photos soit en paysage ou en paysage et en portrait, voilà. Donc, pour décorer, alors comme vous savez, j'ai pas encore acheté mes papiers, mais là, bon, pour les albums des témoins, je pense utiliser les papiers ici de l'action. Donc pour celui-ci, je pense utiliser celui-là, voilà. On verra, normalement ça devrait le faire. Bon, c'est vrai que les pages sont un petit peu épaisses, mais bon, ça ira. Et bon, on verra bien. Donc là, pour l'instant, alors pour la première page, je vais mettre celui-là, le papier. Voilà, celui-ci, du brillant. Et quand j'aurai mes photos, de toute façon, mes photos vont être... Oh, je perds mes mots. C'est de pire en pire, hein, vous avez remarqué. Hein. Je vais mater mes photos. C'est-à-dire, quand vous avez une photo, j'en ai pas une là sous la main, non. Mater la photo, c'est-à-dire, vous allez coller une photo sur un papier, par exemple, comme celui-ci. Et vous allez laisser une petite bordure de chaque côté du papier. Pour qu'on voit la bordure, voilà, et c'est ça, mater une photo. Je vais mettre, j'ai pas de photo sous la main là, sinon je vous aurais montré. Non, j'ai pas, non, non, bon, mais je vous montrerai à l'occasion, et puis quand je vais mettre les photos, vous verrez. Donc là, maintenant, là, je vais mettre ce papier sur cette page, donc je vais mesurer. Donc là, j'ai 1 cm, j'ai 13,5, alors. Je vais marquer sur ma petite chute. J'ai 13,5. Sur pas tout à fait 19,5. Donc, il faut que je laisse quelques millimètres de chaque côté, vous voyez, comme ça, pour qu'on puisse voir le papier. Voilà. Le papier du dessous. Donc, je vais faire, je n'ai même pas besoin de calculer, je suis bête. Je vais faire mes marques comme ça. Alors, je me mets. Par contre, il faut que je sois pareil des deux côtés. Donc là, je suis ici, là, je suis ici. Et donc moi, je vais me repérer avec mon quadrillage sur mon tapis de coupe. C'est beaucoup plus facile. Ou alors je sors mon massicot. Allez, hop, aujourd'hui je sors le massicot. C'est celui de Lidl, celui de... De toute façon, je n'aime pas celui de d'Action. Il me déchire le papier. À l'occasion, quand j'aurai un peu plus de sous, j'en achèterai un bon. Voilà. Voilà, donc ça, on va le garder. Hein.
on va en avoir besoin. Et mon autre trait est là. Bien droite, hein, surtout. Et ça, j'aime pas les massifs. Voilà, donc ça, je vais pouvoir m'en servir. Donc, j'espère ne pas m'être trompée. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, je vais mettre du double face. Double face. Où es-tu? Que personne ne sorte. C'est une catastrophe cette table de travail, une vraie catastrophe. Je sais pas vous, mais moi c'est voilà, je crois qu'il n'y en aurait pas assez. Donc je vais faire ça rouleau là bas . Donc là, le problème, je n'ai pas les photos, donc je ne vais pas pouvoir décorer tout de suite mes pages, voilà. Je vais essayer d'en faire un maximum. Allez, décolle-toi. Voilà. Papier dans le bon sens, hein, surtout. Voilà. Et... De toute façon, sur la première page, ce sera la photo de moi et mon futur. Donc ce sera certainement une photo en portrait. Et derrière, alors, je ne sais pas si je remets le même, mais ça va faire... oui. Voilà, donc à couper de ce côté-là.
Ah, j'ai plus. Alors, faut qu'on prenne un rouleau. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ma première page. N'oublie pas qu'il y a toujours un envers et un endroit hein, sur la dentelle.
pourquoi elle veut pas coller? Ah, pourquoi elle colle pas? Donc là, je vais mettre des petites perles. Ah mince, ça ne veut pas tenir. Alors attendez, je vais d'abord couler mes perles. Pourquoi ça ne veut pas coller? Bon, c'est rien, on va mettre de la colle. Hein. Là, ça va coller. Pourquoi? Donc pourquoi ça voulait pas? Je ne sais pas. Bon. Voilà. Donc la première page, ça fera ça. Voyez. Donc ensuite, je verrai par rapport à la photo les autres décorations que je mettrai. Voilà. Et sur cette première page, donc là, il y aura ma photo, enfin, notre photo. Et derrière, je vais décorer, mais je vais mettre je ferai une petite carte de remerciement que je mettrai juste derrière. Voilà. Voilà. Donc cette carte, après, elle sera collée ici. Vous voyez, donc vraiment au bord des 1 cm. Comme ceci, vous voyez. Là, j'ai envie de décorer aussi un peu, peut-être faire des petites pochettes ou je sais pas. Je vais voir. Donc là, à l'autre côté, je vais faire pareil puisque ce sera la même chose là. Donc je vais quand même mettre le double face et la colle.
Voilà. Voilà. Des petites perles, j'espère qu'il m'en reste assez. Voilà. Donc voilà. La première page. Toute simple. Mais il y aura des décorations dessus. Donc voilà, la première feuille, je vous disais, donc sur celle-là, la première, il y aura une première photo de mon mari et moi, et derrière, il y aura une carte de remerciement, voilà, et sur les autres feuilles, il y aura donc des photos. Donc là, la vidéo aujourd'hui va s'arrêter, car je vais réfléchir d'abord à la décoration pour les autres feuilles. Voilà, voir ce que je vais y mettre, si je vais mettre des cascades, etc. Donc là, je voulais vous montrer le principe déjà des feuilles. Donc, pour vous savoir, donc, vous aurez besoin donc de 8 feuilles cartonnées pour mettre dans l'album. Et après, à la fin, donc la prochaine vidéo, vous aurez la décoration normalement complète de toutes les feuilles. Oh, pardon. Et à la fin, vous aurez la décoration finale de l'album, de la couverture. Voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais réfléchir au reste de la décoration pour les autres feuilles. J'ai des petites idées, donc il faut que je vois si ça fonctionne. Et on se retrouve très très rapidement pour la suite. À très vite, gros bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.